Je pense qu'il a cette opportunité. Maintenant, nous verrons s'il va la saisir. Alors moi, ce qui me déplaît dans la manière dont on envisage les choses, c'est qu'on met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les Blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. La question de l'identité nationale, elle doit être partagée par tout le monde. Et c'est là qu'il y a un déficit de connaissances.